Coucou à tous, c'est Krim, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo pour présenter le pack Dans la jungle qui vient tout juste de sortir il y a maintenant quelques minutes. Donc comme d'habitude, je vais vous faire une petite présentation du créer un Sims, puis une autre vidéo sur les objets et le mode construction, et enfin on finira avec un let's play pour découvrir un peu tous les secrets qui se cachent dans le temple. Voilà, et bah écoutez, on est parti et on va commencer tout de suite avec la découverte des nouveautés du Créer un Sims. Donc pour tester ce pack, j'ai fait appel au plus beau des brins ténébreux que j'avais en stock. Et je vous présente donc Indiana Sims Jones, qui va partir explorer les temples. Alors déjà, on va faire un petit tour sur les nouvelles aspirations. Donc dans la partie connaissances, vous avez érudite en archéologie. Et dans la partie nature, vous avez explorateur de la jungle. Donc pour Indiana, j'ai choisi explorateur de la jungle, parce que c'est ce qu'on va faire. Ensuite, au niveau des coiffures, donc il y a 4 nouvelles coiffures, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est assez sympathique. Au niveau des coiffures avec bandeau, comme d'habitude, hein, le bandeau, la couleur du bandeau change en fonction de la couleur de cheveux. Vous avez aussi une espèce de demi-queue avec un dégradé de couleur qui est sympathique. Et une autre coiffure avec bandeau qui est avec un bandeau un peu plus coloré. Voilà. Au niveau des chapeaux, on a 2 nouveaux chapeaux. Un peu plus à la Indiana Jones, je dirais, qui vient donc en différentes couleurs. Et le deuxième, lui, est plus un peu safari, un peu explorateur, un peu plus classique, on va dire. Il vient aussi dans pas mal de couleurs différentes, comme vous pouvez le voir. Donc c'est les 2 nouveaux chapeaux qui seront exactement les mêmes aussi pour les femmes. Donc il n'y a pas de nouveaux accessoires, rien du tout. Ça, c'est des vieux trucs qui s'allument alors que je les ai déjà vus. Ensuite, au niveau des vêtements, donc au niveau des hauts, on a 6 nouveaux hauts. Donc une première avec un petit pull et un petit gilet qui vient dans plusieurs couleurs. Donc plus détente pour le soir après l'exploration sur le biwak. Un petit t-shirt avec une veste, ce coup-ci peut-être un peu plus pour l'exploration, la découverte du temple, etc. Une petite veste avec un t-shirt avec des lamas dessinés dessus, pareil, un peu plus pour la détente. Une chemise qui fait très, à mon goût, très aventurier, et je pense d'ailleurs que c'est ce qu'il va porter, parce que je l'aime bien. Une petite chemisette plus détente, encore une fois, très colorée avec différents motifs. Et enfin, pour finir, une espèce de petit pull à fermeture éclair avec différents motifs de nouveau et différentes couleurs. C'est un pack avec des vêtements très colorés, je trouve. Et c'est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a d'habitude. Enfin, ça complémente bien, je trouve. Donc ensuite, on va aller voir les pantalons. Comment j'arrêterai de bugger? Voilà, donc au niveau des pantalons, on a 4 nouveaux pantalons. Donc un petit pantalon en toile. Alors j'aime beaucoup le détail au niveau des pieds, l'élastique pour resserrer. Donc voilà, il vient en pas mal de couleurs. Ensuite, on a un pantalon peut-être plus détente. Voilà, un peu plus large avec une ceinture. Peut-être même en jean a priori, à voir. Un pantacourt, on va dire. Pareil, un peu plus détente. Qui vient dans pas mal de couleurs aussi. Et enfin, là c'est plus le pantalon exploration de la jungle, je dirais. Plus avec la petite poche sur le côté pour pouvoir mettre les accessoires, etc. Donc c'est, je pense, aussi la tenue que je vais lui mettre pour aller tester ce pack avec vous un peu plus tard. Voilà, on a aussi une nouvelle paire de chaussures. Donc c'est la même pour hommes et femmes. Basique, qui vient dans pas mal de couleurs aussi. Et adaptée à l'exploration de la jungle. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autres accessoires au niveau des hommes, rien du tout. Voilà, c'est parti pour notre Indiana Sims Jones. Il est paré pour la jungle. Mais que serait un aventurier sans sa fidèle assistante? Donc je vous présente Chantal Simflouz. Alors elle, clairement, elle n'est pas prête pour l'aventure. Hein. Elle est délicate, elle aime les chats, elle vient là que pour le pognon. Alors oui, ça fait un peu cliché, hein, l'assistante un peu idiote qui vient que pour l'argent. Et encore, vous plaignez pas, j'aurais pu en faire une blonde à forte poitrine. Mais j'en ai fait une brune.
Donc, au niveau des filles, bah, c'est pareil. Il y a les mêmes coiffures que pour les hommes. Donc, les mêmes couleurs. Rien de beaucoup différent à ce niveau-là. C'est la même coupe. À vous de voir si vous la préférez sur un homme ou sur une femme. Ensuite, bah, les chapeaux, c'est aussi les mêmes que pour les hommes. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, les vêtements. Alors, comme d'habitude, il y en a un peu plus pour les femmes que pour les hommes. On a droit à 8 nouveaux hauts. Donc le premier, c'est un petit top un peu échancré. Très joli, avec pas mal de couleurs. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, on regarde un petit peu toutes les couleurs qui sont disponibles. Ensuite, on a un petit gilet un peu plus classique, je dirais, mais très coloré aussi, très sympathique. Un petit top. Alors moi, j'adore les petits volants sur les manches. Hein. Je trouve ça terrible et très original par rapport à ce qu'on a déjà. Donc, puis les détails, les petites fleurs et tout, je trouve ça vraiment très bien fait, encore une fois. Ensuite, on a là un petit top. Un petit peu échancré aussi, un peu plus classique, mais qui vient dans des couleurs un peu sympathiques aussi, avec des motifs différents suivant les couleurs. On a un petit peu le même genre de veste que pour les hommes tout à l'heure, c'est-à-dire un peu exploratrice, voilà, qui pourrait aller très bien pour une sortie dans la jungle, sauf que ben, moi je vous rappelle que Chantal, elle n'est pas faite pour ça, donc elle ne portera pas ça. Ensuite on a un petit haut avec des manches bouffantes. Et une petite chemisette aussi qui ressemble un petit peu à celle qu'on a chez les hommes, mais forcément un peu plus cintrée et adaptée aux femmes. Et enfin, on a une petite chemise, mais nouée en crop top. Donc moi j'adore hein, le petit nœud et tout, je trouve ça très sympathique. Et je pense que c'est ce que Chantal va porter pour accompagner Indiana dans la jungle. Voilà, petit Vichy, des petites couleurs unies, c'est très sympathique. Ensuite, au niveau des bas chez les femmes, on a 4 nouveaux bas. Donc, une jupe comme ça, mi-longue, très colorée, avec un petit peu des froufrous en bas que j'aime beaucoup, qui vient dans vraiment soit vous pouvez la porter avec des couleurs unies ou alors un peu vraiment plus colorée. Un short basique, voilà, avec une petite ceinture, avec un nœud, toujours le petit détail qui va bien. Voilà, on regarde toutes les couleurs. Après, on a un petit pantacourt, un peu comme chez les hommes. Voilà, très certainement en jean qui vient dans pas mal de couleurs aussi. Voilà. Et pour finir, on a le même pantalon que chez les hommes, c'est-à-dire le pantalon explorateur. Voilà. Voilà. Qui vient donc dans pas mal de couleurs aussi. Mais bon, je vous l'ai dit, ma Chantal, c'est un peu une bimbo, donc le short et le petit top sont de rigueur. Et voilà, Chantal, il lui manque plus qu'une paire de chaussures et elle est prête pour la jungle. Voilà. Alors forcément, c'est un petit peu moins pratique que monsieur, mais son rôle à elle, c'est d'être la bimbo. Donc ensuite, pour les femmes, on a aussi deux tenues encore complets, donc une jolie robe. Enfin, moi, j'aime beaucoup un peu... Enfin, qui est très coloré, qui va très bien avec le pack. Et une tenue un peu plus... Bon, une petite robe sympa, que j'aime aussi pas mal. Alors, j'utiliserai peut-être pas pour aller me balader dans la jungle, mais elle est pas mal. Donc voilà, Chantal est prête à suivre Indiana Jones partout dans la jungle. Enfin, Indiana Sims Jones, pardon. Donc ensuite, je vais juste créer un bambin pour que vous puissiez voir un peu les nouveautés aussi de leur côté, parce que eux aussi ont le droit d'aller dans la jungle. Donc bon, pas de coupe de cheveux, et en fait il y a juste deux nouveaux t-shirts. Un premier un petit peu coloré, sympathique, avec plein de petits dessins, des petits motifs, des cœurs, des fleurs, voilà, jungle, des lamas, enfin tout mignon, tout plein. Je vous laisse découvrir tout ça. Et puis après on a un petit top avec un petit blason de lama qui fait un peu plus sportif. Voilà. Maintenant, je suis pas sûre que j'emmènerai des bambins dans la jungle. Donc ça va. Voilà. Et il n'y a pas d'autres tenues pour eux. Donc voilà, on a fini de découvrir un peu ce qu'il y avait dans le créer un Sims. Donc nos deux aventuriers vont pouvoir
partir tout de suite explorer la nouvelle carte et découvrir un peu ce temple et les trésors qui peuvent s'y cacher. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo sur le pack dans la jungle des Sims 4.